Ouais. Ce soir, nous fêtons un anniversaire des 10 ans d'un label de disques. Vous savez, ces petits objets ronds et brillants grâce auxquels, au siècle dernier, on écoutait de la musique en pleine crise du disque, contre toute attente et surtout contre les diktats du marketing, Laurent Bizot, un jeune juriste, sûrement un peu rebelle, ne riez pas, il y en a, quittait Universal il y a 10 ans pour lancer le bien nommé label No Format. No Format a tenu sa promesse en produisant quelques albums parmi les plus somptueux de cette dernière décade. Ce soir, il nous offre un plateau formidable. Alors, s'il n'a pas pu sauver à lui tout seul, comme dirait González, le pianiste fou, l'industrie du disque, en tout cas, il s'est sauvé avec ses bijoux de famille et il nous les présente ce soir. Lucas Santana ! Ouais ! Ouais ! For how long have we been still? Just breathing like a plant. Listen to your body. Pregnant the silence. The glow of the screen. The future. Thank you.
Thank you.
sorti le 28 octobre. Il sera en concert le mercredi 3 décembre au Café de la Danse dans le cadre du festival No Format et le 12 décembre à Fontenay-sous-Bois dans le cadre du festival Les Aventuriers. Et moi, je suis en sandwich entre Laurent Bizot, le créateur de ce label, et Emmanuel qui va nous parler, Emmanuel Olivier, notre ethnomusicologue avec qui on va un petit peu décrypter tout ça. Asseyez-vous ici, Lucas Santana. Alors, je demandais à Emmanuel Olivier, est-ce que cette musique est une musique glocale, voilà. Parce que ce qui est formidable, Laurent Bizot, c'est que quand on a une ethnomusicologue, c'est qu'elle vous, elle peut vous enrichir votre lexique. Est-ce que vous connaissez les termes pentatoniques Anémitonique, Laurent. Et vous, vous connaissez le public du 105? Non. Vous connaissez aussi une pentatonique anémitonique. Et donc, il n'est pas vraiment glocal, donc. Je crois qu'il faudrait lui demander, parce que en fait. Alors, le glocal, c'est. Oui, le glocal, en fait, c'est l'articulation entre global et local. En gros, c'est l'idée que la globalisation, elle ne produit pas simplement de l'uniformisation, mais de la localisation, voire de la relocalisation. Simplement, c'est ce que moi j'ai appelé une nouvelle production du local, dans le sens que les gens, là où ils vivent, ils utilisent les ressources du global, les ressources musicales, les ressources d'Internet, que le numérique, que le global nous donne, pour produire des identités musicales locales. C'est un petit peu Lucas Santana, finalement. Il prend toute la musique électro, et puis il y a du Brésil quand même dans votre musique, Lucas. Sim, boa noite, primeiramente. Bonsoir. Eu, na verdade, não penso muito em termos de global ou local. En fait, je pense pas vraiment en termes de global et local. Quand ma mère a commencé à acheter des vinyles pour moi lorsque j'avais 12 ans, elle achetait des disques depuis Beethoven jusqu'à Michael Jackson. Et j'ai commencé à comprendre que toutes les musiques étaient volume, rythme, mélodie, harmonie. Le rythme, la mélodie, l'harmonie. Et que muitas vezes uma linha de baixo que tinha uma sinfonia de Beethoven, comme pam, 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 podia ter no Michael Jackson. On peut l'avoir aussi chez Michael Jackson. Era a mesma coisa, o que mudava era só a instrumentação. C'était juste les instruments, l'instrumentation qui changeait. Et l'intention du compositeur, de comment il Comment est-ce qu'il voulait en parler? Então foi dessa forma que eu aprendi música. Et c'est comme ça que j'ai